Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Temps de Sport, une émission qui vous aide à pouvoir bien évidemment à avoir toute l'actualité sportive du moment. Aujourd'hui nous sommes à la team Tabata, hein, donc un centre de fitness ici à Kinshasa dans la commune de Limete. Nous sommes là pour les visiter et voir comment ils sont en train de faire leur travail. Mais avant ça, place d'abord à l'actualité, le classico congolais ASV Club. TP Mazembe s'est joué ce dimanche 14 avril 2024. Et bien, c'était le show, c'était beaucoup trop de choses à la fois. Nous allons suivre sans trop de commentaires les résumés de cette rencontre et nous allons revenir juste après pour en découdre. La rencontre explosive entre Vita Club et les TP Mazembe, les deux équipes qui se rivalisent sur tous les plans. Le supporter de ces deux clubs deviennent ennemis juste pendant 90 minutes. Et après, c'est le fair play qui prime toujours comme d'habitude. Une attaque dangereuse du TP Mazembe avec ce centre. Une première incursion si dangereuse des corbeaux. Voilà, magnifique. Cette balle piquée des Imanga Sosé. Quel match de incroyable. Techniquement, avec cette passe d'Eli Konza Glody, directement pour qui? Oh là, il y a faute. Oh, il y a pénalty. Qui, il y a faute sur l'attaquant du TP Mazembe. Oui, il y a pénalty. Il y a pénalty. Il y a pénalty pour le TP Mazembe. En tout cas, le gardien n'a pas joué la balle, mais plutôt le joueur du TP Mazembe. En tout cas, Mazembe est en train de montrer sa supériorité dans ces 15 premières minutes. Comment on trouve Oscar Kabuit? Très intelligent qu'il est, il enlève le ballon et le gardien Farid vient jouer, bien sûr, le pied du jeune. Attaquant de Don Bosco, de tout puissant Mazembe, transfuge de Don Bosco, bien sûr. Les Maliens, Philippe Traoré face à Farid Ouedraogo. Contre-pied parfait. Contre-pied parfait. Philippe Traoré pour donner l'avantage au TP Mazembe dans ses classicos. L'ouverture du score des corbeaux. Et oui, c'est Philippe Traoré, l'avant-centre, qui arrive à transformer ses pénaltys. Balle de Joyce Saman pour Piana Mondindi. Le contrôle des Piana. Ah, Ikengelombo qui avance. Ikengelombo Capella, il est dans la surface. La frappe des joints de Ikengelombo, c'est bloqué par Mondeko. Ah oui, hein. Ikengelombo devant Mondeko, il va supprimer Mondeko. Ikengelombo, le centre. Oh, ça a été touché. Ça a été touché par Aliou Fati Badara. L'aise comme à l'académie, mais Oladapo un peu trahi. Mwimba Issala, il avance. Mwimba encore. Mwimba qui va frapper, c'est bloqué. 2 minutes de temps additionnel dans cette première période. Et l'Impandu, la frappe d'Impandu, trop écrasée. L'arbitre du match, Martin Moukala, renvoie les 22 acteurs au vestiaire. C'est donc la pause. Le centre de Joyce Saman Peko s'est boxé. Attention, Pandu, les crochets d'Impandu qui frappe. Attention, il y a but. La balle a traversé la ligne. Totalement. Ça va faire jaser cette situation. Ce n'est qui est normal. Ce n'est qui est normal que ça fasse jaser. C'est une action de but. Mais apparemment, sur cet angle-là qui nous propose la régie. Le centre de Joyce Saman Peko, second poteau, la frappe. Et c'est pour Aliou Fati Badara. Goma Junior, la mauvaise passe, c'est pour Philippe Traoré. Philippe Traoré, il va avancer seul contre tous. Philippe Traoré qui frappe. C'est repoussé par Farid Ouedraogo. Intervenir. Attention, oh là là, Gélé, il est né Oscar Kabuit. Kabuit face à Issa Mampeko. Kabuit qui traverse. Attention, il y a du champ de l'autre côté. Il va frapper Kabuit. Encore les gardiens Farid Ouedraogo. Alors qu'il n'est pas. En tout cas, aucun joueur du Tout-Puissant Mazembe à son marquage. Il doit jouer calmement au lieu de faire cadeau. C'est très bien lancé avec Atibou Rajabou. L'ancien de l'association sportive. Mani Maïno de Kindou Atibou. Pour son coéquipier. Belle occasion des Mazembe. Le centre à suivre. Ouais. Ce geste pour les seconds buts de Mazembe. Quel bijou Philippe Traoré. Et ce but montre donc l'image de la supériorité de Mazembe. Et oui, Mazembe est plus fort. Mazembe est vraiment plus fort que Vita Club cet après-midi. Regardez cette passe. C'est Kinzumbi, bien sûr. C'est diable de Philippe Traoré. Il punit le défenseur de Vita Club sur cette action. Il est libre de tout marquage. Il suffit que le ballon lui atteigne pour qu'il marque ses buts-là. La désolation d'Abdesalam Ouadou, l'entraîneur de Vita Club, sur
Et Nipoto avec Samango. Samango pour Ebunga Simbi. Ebunga la passe en retrait de Ebunga Simbi. Oh là là, c'est empêché par Youpati Badara. L'appel de Mpanzu Eli. Mpanzu face à Tibura Djabou. Eli Mpanzu. Mpanzu encore. La frappe de Mpanzu Eli. Fili avec Aïni Koye, le Nigérien. Aïni Koye, la passe d'Aïni Koye à Fili Touré. Fili qui prend son temps. Oh, l'enroulé. Koye. Aïni Koye. Ça fait une minute. Oh là là, il marche. Marche sur Aïni Koye. Installe petit à petit. Tout à fait. On va signaler l'entrée de Amadou Zone côté Mazembe. Attention, avec cette incursion, Imana Lotte, il va supprimer son adversaire. Oh là là, ce centre en ras du sol, empêché par Lufati Badara. Ce n'est pas fini. Hein. Apataki, Tumbela Tumbola, le centre à suivre. Attention. Merci Ngibi, pourquoi pas les trouver Oscar Kabuit, et bien c'est bien fait. Kabuit. Oulala, perdu Elimpanzu. Panzu face à Thibaut, c'est bien combiné avec Imana Lotte. Elimpanzu est dans la surface. Panzu, le centre de Panzu. Bouchikira pour la réduction du score. Il peut se passer des choses en fait. Fin de partie. Bouchikira envoie pour la première fois Aliou Fati Badara d'aller chercher la balle au fond des filets. Fin de la série de clean sheet pour le gardien sénégalais du tout puissant Mazembe. Car Bouchikira, côté Vita Club. Cette belle combinaison entre Imana Lotte et Limpanzu. Et là, Kika n'a qu'à placer son pied pour mettre ses ballons dans les fonds du filet. Un but facile. Belle combinaison, un but facile, mais ça n'a jamais été facile parce qu'on on a dit à Koubou lors de la Coupe du Monde. Des casquettes, on peut dire. C'est une offrande, bien sûr, de Limpanzu pour son coéquipier. C'est terminé, ils sont stade Marti, Vita Club s'incline devant le TP Mazembe. Voilà, de retour donc sur ce plateau après avoir suivi ce match SV Club TP Mazembe en classico chaud bouillant au stade de Martyr. Alors une autre information que vous devez savoir est que le play-down, puisque le play-off se joue, le play-down ne va pas se jouer, du moins pour l'instant, parce que la Ligue nationale de football a reporté ce rendez-vous qui devait permettre aux clubs qui ne jouent pas au play-off et qui devaient jouer soit la relégation, soit le maintien en Ligue 1, de pouvoir exercer leur force. Et bien, la Ligue de foot, au moyen de ce message qui nous a été transmis déjà le jeudi dernier, qui dit que voilà, il n'y aura plus de play-down pour des raisons qui sont encore inconnues jusque-là. Et on espère vraiment que les choses vont bien se passer de ce côté-là pour que voilà, l'on voit en tout cas tout ce qui va se faire. Et puis maintenant, nous allons aller du côté de la team Tabata pour voir ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Et nous allons nous retrouver juste après. Donc, ils sont juste là en train de s'entraîner. Let's go!
Premièrement, l'oppression, nous savons tous que les sportifs souffrent. Alors, la Team Tabata, c'est une équipe sportive qui a l'accent sur la douleur, en fait. Nous venons ici pour perdre la calorie, nous venons pour perdre la masse. Nous venons ici comme étant les amoureux du sport. L'impression que j'ai après l'entraînement de ce matin, c'est que je sens que j'avais les douleurs au niveau de l'hanche. Et en ce moment, je suis tellement soulagé. En tout cas, la Team Tabata nous aide, en fait, comme j'ai bien dit, si vous avez un problème, comme je viens de dire ce matin, j'avais des problèmes, j'avais quelques parties de mon corps qui souffraient. Maintenant, je suis soulagé. J'avais les douleurs au niveau de hanche. Maintenant, c'est soulagé. En fait, la Team Tabata, c'est en ces sens qu'elle nous aide. Et c'est pas seulement, on ne se limite pas seulement sur le niveau sportif. La Team Tabata, c'est une équipe qui a comme base l'amour. Nous faisons beaucoup de choses qui vont au-delà du système sportif. Alors, si je dois donner un message à tous les amis, tous les amoureux du sport, le message serait que la discipline est la première clé, la détermination. Parce que si tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu dois faire pour l'avoir. Alors tu dois être déterminé, trop discipliné dans le sport. Tu ne viens pas au sport pour faire plaisir, justement pour que les gens te voient en tenue et tout ça, non. Être sportif, c'est être discipliné. Et quelqu'un qui est discipliné doit être déterminé pour avoir ce que tu veux. En tout cas, le sport est très, très, très important. Le sport nous épargne de maladies, de beaucoup de choses. Alors j'appelle toutes ces filles-là, toutes ces mamans. Moi, je suis femme en foyer, j'ai des enfants, j'ai le boulot, mais ça ne m'empêche pas de m'entraîner parce que c'est très, très important pour la santé. Alors j'invite toutes les femmes à venir s'entraîner avec. En tout cas, quand je suis arrivée à la Team Tabata, je venais d'accoucher mon quatrième enfant, j'avais 105 kilos. Et là, j'ai 90 kilos, donc j'ai perdu 15 kilos. C'est déjà bon, c'est très bon, donc ce sont des avantages. En fait, quand tu viens faire le sport, chacun a ses objectifs. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de prendre un peu de masse, il y a d'autres personnes qui ont besoin de perdre le poids, il y a d'autres personnes qui ont besoin de perdre que le ventre, donc ça dépend de ce que tu viens chercher. Mais tu trouveras tout ce que tu viens chercher quand tu viens faire le sport. Bonjour, je suis MJ Mehdi James Malumalu, coach sportif et fondateur de la Team Tabata et du projet international sportif Tabata Day. Alors, la Team Tabata, c'est un club de sport de jeunes Congolais passionnés et amoureux du sport qui est créé en 2020 pendant le confinement pour but de donner les gens un espace ou un endroit pour venir s'entretenir en faisant du sport avec spécialement le poids du corps. Alors, le nom Tabata, c'est tout simplement parce que nous utilisons une méthode d'entraînement qui s'appelle HIIT Tabata, qui est fondée par un professeur japonais qui s'appelle Monsieur Tabata. Tout simplement, comme on adopte sa façon de faire, et c'est pourquoi on s'appelle aussi Team Tabata Kinshasa. Exactement, ce grand rendez-vous a réuni sur le podium plusieurs coachs d'ici et d'ailleurs. C'est pourquoi je dis que nous sommes un event international. Et non, mais j'aimerais que vous voyez les images pour s'y faire un peu une idée. C'était extraordinaire. Moi-même, j'étais surpris de voir l'enthousiasme que les gens ils avaient, comment les gens étaient prêts à se défoncer, mais dans le bon sens, pour faire du sport. C'était incroyable. Et l'objectif ou la prière, c'est que cette façon de faire-là, cet événement-là devient encore de plus en plus grand et que ça puisse toucher encore le milieu. Alors, nous, notre vision, on aime faire passer comme message ou notre message qu'on aime véhiculer tous les jours, c'est que pour rester en forme, pour faire du sport, cela ne veut pas dire absolument d'aller dans une salle de sport. La Team Tabata démontre aux gens qu'on peut s'entretenir, on peut faire du sport seulement avec le poids du corps, là où vous êtes et partout. Donc nous, on veut inviter les gens à développer cet amour du sport, à venir travailler avec nous, avec le propre corps, le propre poids du corps, pour gagner en souplesse, en muscle, perdre du poids, rester en forme. Ça a beaucoup d'avantages en tout cas. Et vous savez, aujourd'hui, beaucoup de femmes souffrent déjà beaucoup par rapport à leur physique, et la Team Tabata est là aussi pour toucher le plan mental, j'ai envie de dire, et physique. Donc ces femmes-là, ils viennent, au début, elles ont beaucoup de difficultés, mais en venant souvent aux entraînements, ils voient comment leur corps se développe, ils gagnent en souplesse, ils gagnent en agilité, et ça développe même leur confiance en soi. C'est pourquoi vous voyez que dans la team, il y a beaucoup de femmes qui arrivent.
le sport est très important dans la vie d'une femme. Parce que vous savez, c'est les mamans qui vont marcher pour nous, elles travaillent beaucoup. Alors si elles ne sont pas en forme, ils ne savent pas tenir une maison. Or, une femme qui fait du sport, elle sera plus endurante qu'une autre femme qui ne fait pas du sport. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a beaucoup de femmes qui sont intéressées à la team Tabata. À l'instant, je veux rester un peu positif et plus ouvert. L'objectif final, c'est que nous puissions avoir une salle, un grand studio de Itabata pour la team Tabata. Mais maintenant, je dirais, voyez là où on s'entraîne, quand il pleut, des fois on est obligé de s'entraîner sous la pluie. Et des fois on manque des tapis pour les entraînements. Maintenant, est-ce que je prends ça comme difficulté? Non. Mais je dirais que ce sont des points que nous, à l'interne, on aimerait développer, voir comment on peut mettre les gens à l'abri, même quand il pleut ou même quand il fait très chaud. Mais sinon, ça va, on ne se plaint pas, tout va bien. Alors, on a beaucoup de programmes pour cette année et d'autres, je vais quand même rester un peu silencieux, on va dire ça comme ça. Mais avec le temps, vous allez découvrir le projet qui arrive et je vous assure, c'est une très, 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 très bonne chose. Le sport est très important pour la vie. Le sport nous permet d'être en bonne santé. Le sport nous évite des maladies. Le sport nous garde en bonne santé. La santé n'a pas de prix. Papa, maman, sportif ou non sportif, vous qui nous regardez à la maison, la team Tabata vous reçoit chaque samedi matin devant l'hôpital HG. Ça va vous faire du bien et vous allez nous remercier. Pour entrer à la team Tabata, il faut juste appeler les 09 755 2915 09 755 2915, ou vous nous écrivez sur Instagram Team Tabata Kinshasa ou sur Facebook Team Tabata Kinshasa et nous allons discuter. Mais sinon, les entraînements de chaque samedi sont ouverts à tout le monde. Welcome. Portez-vous bien, que Dieu nous prête une longue vie et une bonne santé. Je vous aime beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Temps de Sport. Une émission qui a été consacrée aujourd'hui au fitness, au sport en général, au sport physique, hein, à la perte de poids, à beaucoup, beaucoup de choses. Nous étions à la team Tabata. Vous avez suivi les différentes interventions simplement pour vous dire que le sport est quelque chose de très important. Vous n'avez pas besoin d'aller dans une salle de sport pour le faire, mais vous avez besoin simplement de vous concentrer dans un seul endroit. Vous pouvez faire le sport. Donc nous étions ici pour le compte de l'émission Temps de Sport. C'était un honneur pour moi de vous présenter cette émission. Je remercie donc Benny Ifombo, mon réalisateur, qui a été avec nous durant toute l'émission. Le prochain rendez-vous, c'est déjà la semaine prochaine, même heure, même chaîne. N'oubliez pas, faites toujours le sport, il est très très important. Ça va vous permettre de gagner en calories ou bien de perdre même du poids. C'est très, très important. Très bonne suite de programme sur Geopolis Télévision. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir et à très bientôt.